Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme quotidien Espace Miné 10h-11h52. Ce matin, nos arrêts n'ont pas du tout changé. Premier arrêt, ce sera avec la très époustouflante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque. Deuxième arrêt, ce sera avec Bernard Daubasson qui signera également son dernier arrêt dans le cadre justement de ce programme. Dernière participation pour Maître Basson dans le cadre justement d'Espace Miné. Il nous livrera donc la dernière dénonciation de ce jour. On terminera par l'instant de l'analyse avec un sujet très important, mais un sujet très simple. Nous parlerons encore de politique ce jeudi en télévision au Cameroun avec une préoccupation. Peut-on efficacement faire de la politique sans argent? Peut-on efficacement faire de la politique sans argent? C'est la préoccupation principale que nous mettons sur la table de débat dans le cadre justement de ces échanges. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Votre fidélité à travers le monde continuera tout simplement à nous égayer, mais également à nous booster. Merci d'être en direct sur Info TV. Et nous commençons par accueillir ces invités qui répondent déjà tous présents dans le cadre justement de cette grande messe. Rodrigue Adalbert Révina, bonjour. Bonjour, bonjour, parfait ici. Bonjour, monsieur le directeur. Monsieur le directeur général du grand hôpital du Cameroun, Espace Miné. J'ai dit bonjour à votre illustre panel que vous allez même vous-même présenter dans les prochaines minutes. Bien des choses donc à l'Assemblée générale. Je veux dire, vos téléspectateurs qui se comptent par millions dans le monde entier. Je crois que la planète Terre vibre au rythme du 10h-12h en télévision, surtout sur Info Télévision. Lorsque Espace Miné s'installe, on mine véritablement l'espace. Mais pas seulement au Cameroun ou en Afrique, on mine cet espace dans le monde entier. Dieu seul sait combien de réactions qui viennent du monde entier lorsque vous donnez la parole aux téléspectateurs. Mais ce matin, parfait, ici, je voudrais poser un problème. Lequel? Je ne comprends pas ce qui se passe dans l'esprit, dans la tête de certains de nos citoyens. C'est aussi vrai que chacun a sa manière de résoudre les problèmes, mais je ne comprends pas. Souvent, vous voyez une route en terre. Elle est tranquille. Personne n'entreprend une activité. Mais dès que la route est normalement bitumée, mais vous voyez des individus quelques semaines après ou quelques mois, quelqu'un arrive là avec du matériel, il casse le goudron, il dit qu'il met son tuyau d'eau. Après, il laisse la route dans cet état-là. Incroyable. Je l'ai vu là à Dakar en bas, je pensais que c'est l'état qui relançait les travaux, mais je vous dis un kidam, donc un individu banal. Vulgaire casse le bouton et puis le motif c'est qu'il met le tuyau d'eau. Et c'est la République de Bia Carbonal Jomtarbo. Je ne comprends pas cette attitude là. Pour moi, ça participe de l'incivisme. Parce que c'est même du brigantisme. Autant on peut poser des problèmes de développement de la cité. Mais autant, il faut quand même aussi éduquer les citoyens. Très bien. Leur dire que ces comportements ne sont pas acceptables. Parce qu'au moins, ce qui est déjà là, il faut déjà bien conserver, bien entretenir ce qui est là. Et c'est notre responsabilité collective. Merci Rodrigue Adalbert et Evina pour ces mots de sensibilisation en direct sur Info TV. Lui, c'est le président des révolutionnaires. C'est comme ça que je l'appelle affectivement. Il s'appelle Aimé Cyprien Olinga et qui est parmi nous ce matin. Aimé Cyprien, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je salue fraternellement les copanélistes. Je voudrais dire aussi à votre suite un bonjour patriotique à tous les révolutionnaires, militants et sympathisants de mon parti, le FDR, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun.
Le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, à côté de M. Cyprien Olinga, on accueille un monsieur au timbre vocal singulier, de plus en plus aimé d'une classe de téléspectateurs. Bonjour Alain Douk. Bien le bonjour. Une fois de plus, invité sur Info TV, sentez-vous affectueusement et profondément salué où que vous soyez. Je suis heureux d'être une nouvelle fois sur ce plateau de la télé qui était il y a quelques années encore le petit poussé, mais qui gagne en épaisseur, qui occupe de l'espace. Et ce matin, je suis sur Espace Mini, répondant à l'invitation du modérateur Cette Étoile. Je profite de l'instant qui m'est donné et de l'opportunité pour saluer mes co-discutants. Très beau ce matin. J'ai le plaisir de voir le jeune homme dynamique Basson devenu maître. Désormais, je l'appelle Maître Basson. Maître Basson. Voilà. Le jeune homme a grandi. Ah ben, de plusieurs grands d'un coup. Donc, je suis heureux. Il ne va plus manger les biscuits. Mais il n'est plus à ça mâcher le cola. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et de succès dans les plaidoiries qu'il fera dans les tribunaux et tout. Beaucoup de succès à toi. Voilà, je salue comme ça le promoteur de façon particulière de ce média. J'ai toujours dit, hein, s'il ne vous aime pas, vous ne venez pas sur son média, c'est clair, c'est le grand boss. Voilà, merci bien à tous les techniciens comme ça qui produisent cette magie et cette belle image que je vois là. Et si c'est comme ça qu'on nous reçoit à travers le monde, c'est tout simplement magnifique. Merci bien et j'espère qu'on passera un super moment de télé. Alain Douk est journaliste. En face d'Alain Douk, on accueille donc justement celui-là qui signe. On aime soigner le grand retour, mais lui signe son dernier arrêt. Il signe son dernier arrêt. Oui, Rodrigo d'Albert Vina ne le savait pas. C'est la... On célèbre un événement ici. Oui, c'est la dernière participation de Basson Bernard. C'est douloureux ça, que se passe-t-il? Oui, c'est un peu douloureux. Mais à un moment donné, il le faut. Hein. Donc, ce sont les derniers moments de Bernardo. Imaginez le choc que ça peut créer. Vous dites que Bernardo aime les petites filles. Tu passes les filles. Il a dit qu'il n'aimait pas les petites filles. Oh là, il aime les femmes. Il a dit qu'il a des femmes de plus de 50 ans. Ah bon, il fait le sucre. Et je connais une femme de 50 ans qui est tombée amoureuse. Bon, mais bon, si Basson... J'espère que ce n'est pas elle qui nous enlève Bernardo. Hein. Non. Bernardo Basson, dernier bonjour en télévision. Oui, mais c'est douloureux. je vais parler après. Vous allez parler. Il est mieux, il est Bernardo. Ouais. Oh là là, Bernardo qui pleure en télévision, trop d'émotion. Vous allez parler après. D'accord. On va donc passer la parole à Bernardo après, le temps de pleurer un peu. On accueille donc notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériou Niemek, le dit fils de Boumiebel, descendant de Oumiobé. Pierre Blériou Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, et merci de m'associer à votre panel. Ces émotions traduisent bien la qualité de la relation qui existe. Je ne dis pas qu'il a existé seulement. La sagesse de ce jour sera particulièrement longue. Il faudrait que les gens comprennent qu'au-delà de la profession, pour que vous réussissiez sur un plateau comme celui-ci, vous devez créer des relations humaines sincères. Ouais. Beaucoup veulent nous imiter, ici ou ailleurs, mais je vous donne le secret. Vous ne pouvez pas faire un beau plateau si entre vous, il n'y a pas une relation humaine sincère. C'est vrai. Aujourd'hui, l'Afrique a parfois créé une nouvelle façon de faire la télé. Oui. Nous voulons ici traduire des émotions réelles, et aider les autres à apaiser leurs âmes par la parole. Mmh. Et nous devons faire l'effort d'être le plus sincère possible. Si en parfait et mal, le courant ne passe pas, Espace Miné ne va pas bien. Si je veux faire tomber parfait pour prendre sa place, Espace Miné ne va pas donner. Et vice versa. Et vice versa. Si nous avions accueilli Bernardo avec d'autres plans, ça n'aurait pas donné ce que ça donne aujourd'hui. Mais nous sommes heureux pour lui, parce que les bons parents aiment voir leurs enfants évoluer. Alors la sagesse de ce jour. Oui. Ne vous attachez pas aux gens parce que vous les avez rencontrés dans les hôpitaux, dans les églises. Les églises sont comme les hôpitaux. Ce ne sont pas tous les malades qui répondent au traitement.
On peut reprendre. Ne vous attachez pas aux gens parce que vous les avez rencontrés dans les églises. Les églises sont comme les hôpitaux. Ce ne sont pas tous les malades qui répondent au traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme l'hôpital, l'église, c'est un lieu où les gens vont parce qu'ils souffrent. Mmh. Mais il y en a qui vont et qui ne réagissent pas favorablement au traitement. Vous les rencontrez là-bas et vous pensez que vous avez rencontré de bonnes personnes. Vous pouvez rencontrer le diable là-bas. Il est venu à l'église pour d'autres fins. Tout à fait. Vous voyez. Donc, et ça, c'est à l'adresse de ceux qui vont chercher les mariages dans les églises. Et tout. Parce que c'est parce que c'est là-bas que vous avez rencontré quelqu'un. Alors, vous avez fait un bon... Non, non! Satan est nombreux. Il est grand. Il est caché souvent là-bas. Il faut rencontrer des gens dans des conditions humaines certaines. Pas dans certaines conditions humaines. Dans les conditions humaines certaines et non dans certaines conditions humaines. Mmh. Ça, c'est du Pierre Blériot-Guémec, c'est du lourd, ça... c'est du costaud, c'est du pertinent. Qui dit mieux? J'espère que Bernardo Basson a retrouvé ses esprits. On va donc faire un effort de l'accueillir à nouveau, dans l'espoir que le mouchoir ne sortira plus. Ça va. Bernardo Basson, une fois de plus, dernier bonjour en direct sur Espace Mini. Ouais, là, je vais pouvoir dire bonjour. Mais à la vérité, monsieur, il n'y avait qu'à lâcher encore un qualificatif. Je suis très sincère dans la vie. Ouais. Vous savez. Je suis pas parfait, j'ai mes petites gaffes que j'ai eu à faire, mais je suis quelqu'un de très sincère. Et c'est vrai, je m'attache d'abord à un but dans la vie, tout à fait. Ensuite à des valeurs et après à des personnes. Tout à fait. Mais parfois, il y a des êtres exceptionnels qu'on rencontre qui chamboulent l'échelle des choses et donc vous attachez à elles sans prévoir. Donc moi, je voudrais juste dire merci. Merci à vous, à M. Yemek, au PDG, à la réalisation. On va consacrer les 10 dernières minutes à ces remerciements pour vous. Ouais, ok. Vraiment. D'accord. Mais je suis honnêtement depuis 2h du matin, je suis très ému et vous pouvez comprendre pourquoi. Ça va aller. Donc, les 10 dernières minutes seront consacrées pour Bernard Basson pour lui dire au revoir. Mais en attendant, puis Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? Des micros. Petites et moyennes entreprises. Wow. Ouais. Vous savez que, on a tout un ministère consacré aux petites et aux moyennes entreprises au Cameroun. Ouais, ouais. Et il y a une commission des grandes entreprises. Je pense qu'on l'appelle Basile King. Achille. Qui est le ministre de ce département ministériel. Basile King 2. Hein. Basile King 2. Oui, parce que un c'était probablement son père. Achille, lui, n'a pas été ministre. La précision valait la peine. De toutes les façons, vous avez eu les sujets. Blériot ne va pas m'entraîner sur ce terrain. À tout de suite pour la suite. Thank you.
Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs qui regardent Espace Miné. Sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Bonjour à tes panélistes ce matin. Claudia, qu'est-ce qui t'arrive? Vous êtes en train de me singer. Je vous assure que j'ai répété cette phrase et j'avais envie de faire ce fameux soupir avant de dire téléspectateurs privilégiés. Claudia est terrible. Bonjour à mon père croustillant qui est sur ce plateau, Alain Duc. Bonjour. Oh, Alain Duc. Et Alain Duc est content. Surtout avec Blériot, parce que quand je commence à prononcer ce nom, il est jaloux. On pensait que c'est le surveillant général qui va te chasser, mais finalement, c'est le proviseur. De toutes les façons, la petite Claudia qui nous amène de la très bonne humeur sur ce plateau, elle est là, la très étincelante. Elle nous amène au niveau des kiosques. Claudia, que disent les journaux? À la une des journaux ce jeudi, santé, resurgent du Covid-19, Menaouda Malachi en appel à la vigilance. C'est l'information qui barre la grande une du Criebdo, la météo. Le journal de Dieudonné 20 nous informe ce matin qu'après le dépistage des cas dans certains pays occidentaux et africains, le ministre de la Santé publique recommande la reprise et le renforcement des mesures barrières afin de contrecarrer une éventuelle flambée au Cameroun. Le quotidien Mutation parle de la remontée de la fièvre du Covid-19 suite à la resurgence du coronavirus. Le MinSanté réactive le dispositif de prévention. L'élite en kiosque ce jeudi s'intéresse aussi à cette actualité en santé. Stop au virus de l'intox, peut-on lire dans ce journal. Entre-temps, le quotidien Infomatin est à Bangui ce jeudi et nous fait parvenir les échos de la 6e session de la commission mixte permanente de la sécurité transfrontalière et la 3e session de la Commission des frontières. RCA et le Cameroun se concertent. Les travaux sont co-présidés par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangadi et son homologue Bruno Yapandé. Cameroun Tribune ne manque pas de relayer cette information ce 4e jour de la semaine et nous rappelle que les frontières entre le Cameroun et la RCA sont à sécuriser. La sécurité transfrontalière est aussi en débat ce matin avec Gouvernance Presse que vous allez retrouver en kiosque ce jour. Et nous voici en sport avec le championnat d'Afrique d'athlétisme. Le jour est dans la capitale économique Douala où se déroule l'avant-troisième édition. Mauvaise nouvelle, le Cameroun termine sans médaille en or. Le pays organisateur va se contenter des 7 métaux, dont 3 en argent et 4 en bronze. L'ère de jeu parle plutôt d'une participation honorable à cette 23e édition des CCAA. L'éloquence des médailles peut-on lire dans la parution du jour. 23e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme. La République exprime le satisfait de la Confédération africaine d'athlétisme à lire dans ce journal. Loin des courses de vitesse et d'endurance, le messager fait un saut en hauteur pour voir les prix du titre identitaire. Les chiffres passent de 2800 à 10 000 francs CFA. Pourquoi la CNI coûte plus cher? Le quotidien s'interroge ce matin et l'État lui répond qu'il s'agit de la sécurisation du processus du précieux sésame. Dans la même actualité, l'économie quotidien nous informe que le Cameroun est en passe d'appliquer le droit de timbre le plus cher en zone SEMAC. Et puis, affaire de double nationalité des ministres et de certaines personnalités de la République, du Conseil supérieur de la magistrature qui ne se tient plus depuis 5 ans, des ministres coincés à l'Assemblée nationale en peine de réponse convaincante, apprend-on du journal La Nouvelle Expression ce jour. À l'affiche également ce matin, l'affaire Glencore, pot de vin, poursuite judiciaire, le biais hebdomadaire, le point dévoile la tourmente. En attente aussi au bas de une, l'affaire CAF est office le verdict à lire en page 8. Le quotidien de Jules Brice Ngaba nous plonge ce jeudi dans la campagne agricole 2024. C'est lancé dans le Septentrion. Et puis enfin, je clôture avec Réalité Plus ce jeudi. Paul Ngouare Kindi délivre en exclusivité les propos de Lucie Fautio, fille aînée du feu Victor Fautio. En ces mots, s'est-elle exprimée, je cite: la famille doit lever le séquestre en justice pour que tout aille bien. Dans le testament laissé par le vieux, c'est l'or qui le représente à l'intérieur comme à l'extérieur. Damien le représente au village. Les veuves se plaignent pour rien. Personne n'est démuni là. Fin de citation. La suite est bien évidemment à lire dans ce quotidien paru en kiosque ce matin.
Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches, parues donc en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfait. Ici, le ministre de la Santé publique nous informe par voie de communiqué que le Covid-19 revient à nouveau. Et puis, on va donc revenir sur ce communiqué, c'est-à-dire faire l'économie de cette information, prendre également l'avis des citoyens, comment ils accueillent la nouvelle entre peur et angoisse. On en saura davantage aux 19h et 20h ce soir. Claudia. Oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci. Dès que, alors, au moment où Claudia nous donnait toutes ces informations, naturellement, il y a une qui nous intéresse. Il s'agit justement de ce communiqué du ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda, qui nous fait comprendre que le Covid est de retour. J'aime beaucoup. Sans se rire, c'est terrible. J'aime beaucoup plus au titre d'un journal ce matin. Le journal parle du virus de l'intox. Le virus de l'intox. Ah, bel titre. Vous savez, il y a quelques semaines, Rodrigue Adalbert et Vina, sur ce même plateau, nous commencions déjà à demander des comptes. Que quelle est cette affaire où il y a eu Covid? Un ministre de la République, je veux parler du ministre de la Santé, et qui a metté toutes les villes, tous les villages, toutes les populations, en nous disant qu'il y avait une affaire qui décimait les êtres humains. Un bon matin, le même ministre a disparu. On n'en parlait plus, il n'y avait plus de mesures barrières, personne ne mourait plus. Le même ministre est à la... Il revient à la charge et il nous refait comprendre que l'affaire est de retour. Votre réaction? Non, parfait. Ici, moi, ça me met très mal à l'aise. Cette attitude abjecte, cette attitude insoutenable à afficher dans la gestion des affaires publiques. Je pense que si l'on était un peu plus sérieux dans ce pays, peut-être que c'est un autre ministre qui serait venu nous parler de la résurgence, n'est-ce pas? Attendez, celui-là n'est plus crédible. Voilà, de ce... du Covid-19. Ça aurait pu être le ministre actuel de la santé publique. Parce que nous respectons les institutions et les personnes qui les incarnent. Moi, je voudrais dire de manière personnelle que vraiment, il ne faut avoir peur de rien. Parce que les bons bantous, authentiques enfants d'Afrique, nous marchons là-dedans, on n'a pas le sentiment que quelque chose se passe. Il faut cesser ainsi de jouer avec les nerfs et puis les esprits des Camerounais, parce qu'on a de très sérieux problèmes, que ce soit au quotidien, c'est-à-dire sur le plan personnel, mais maintenant, sur le plan global de toute la nation, il y a encore d'autres problèmes qui sont encore sérieux et qui doivent être résolus. Très bien. Voilà donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'à tout moment, il faut jeter de la panique en l'air comme ça. Je voudrais vraiment pas parler avec toute mon émotion, mais je voudrais dire qu'il faut arrêter ça. Merci. Il faut arrêter ça, en réalité. Merci, Rodrigue. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous nous sommes là pour donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Dans ce même pays, Alain Douk, on nous a imposé un vaccin contre cette affaire Covid-19. Il y a quelques mois, à Mondovision, à travers les chaînes internationales, il a été établi que ce vaccin était très dangereux pour les personnes qui avaient eu à le prendre. Ah oui. Alain Douk, dans ce pays, pourquoi on nous a imposé ce vaccin au point où peut-être même on demandait que vous ne pouvez plus accéder à un ministère si vous n'aviez pas le vaccin en question? Vous savez, notre pays est en réalité, sur le plan de sa gouvernance, ancré et orienté en direction de la girouette du capitalisme, du mondialisme et de la technocratie qui a pignon sur eux. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité avec le Covid-19? En réalité, c'est une opération psychologique et rien d'autre. Il faut d'abord que les téléspectateurs le comprennent.
parce que moi j'ai recoupé l'information, je suis rentré auprès d'un certain nombre de littératures produites par n'importe qui, les sommités au sujet de la virologie et de l'épidémiologie, pour voir, pour ceux qui avaient une voix dissonante, ce qu'ils étaient en train de dire par rapport à cette prétendue pandémie qui n'est en fait, ma foi, qu'une plandémie. Parce que c'est le cas, c'est une conspiration contre les masses. Alors, il faut savoir que le mondialisme est en train de passer de façon pivotale à une autre ère. Une ère qui sera celle en réalité de ce qu'ils veulent bien appeler la grande réinitialisation. On veut en réalité qu'on passe de l'humain pour le transhumain. Et vous avez vu, on a proposé un vaccin qui était encore en phase expérimentale. Vaccin, mon Dieu, je me fais même du tort à l'appeler ainsi parce que c'est même pas un vaccin en réalité. Vous avez entendu, et tu faisais bien de le mentionner, la protéine Pike, pour ce qui est du vaccin à ARN messager. Oui. La protéine Pike en question permet déjà la stérilisation sur le plan de la fécondité de ceux qui les reçoivent, notamment et d'autant plus les femmes. Il y a une action de la protéine. Pour parler en français facile, hein, ce vaccin fait en sorte que les femmes ne puissent plus accoucher. Voilà. Elles vont se mettre à avoir des fausses couches, ce genre de choses. Elles n'arrivent pas à conserver. On a imposé ce vaccin. Moi, je n'ai pas changé de discours. Mon premier compte Facebook a justement été désactivé parce que je passais le temps, ça me révoltait, je ne pouvais pas rester mensonge et me taire. Il y a un éminent statisticien et épidémiologiste qu'on connaît tous, professeur, son nom est un peu compliqué parce qu'il est d'origine grecque mais naturalisé états-unien, Ioannidis. Voilà comment il s'appelle. Il est professeur et c'est un spécialiste de la statistique dans le domaine de la médecine. Il enseigne à l'université de Stanford aux États-Unis. Et il a démontré brillamment sur le plan de la statistique qu'on nous raconte des bobards. Il n'y a pas de pandémie. Qu'est-ce qu'on appelle pandémie, les amis? Hein? On est resté avec les mêmes statistiques qu'on connaît de la grippe saisonnière. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a appelé la COVID? Maintenant, pour ne pas trop prendre du temps, j'imagine que les autres veulent réagir. Quand on prend COVID, vous savez le C, ça se lit C en anglais. COVID, qui vient après? C'est le mot pour parler de bovin. Donc, bovin, le mouton. COVID. Et maintenant, sur le plan de la symbolique, de la numérologie, le 19 a toujours, par le passé, sur le plan symbolique et dans la numérologie, été utilisé comme un nombre qui traduit le fait de se rendre, de se soumettre, de faire allégeance. COVID, surrender. Voyez les moutons se soumettre. Ce n'est qu'une opération psychologique et ceux qui veulent se soumettre et se faire détruire la santé par ce que les politiciens sont en train de mener avec leur patron de la gouvernance mondialiste et technocratique mondiale, ça c'est leur problème. Et ils cachent les résultats parce qu'on ne va jamais venir en télé. C'est pour ça que je salue la télé faite par Info TV où on est émancipé sur le plan de la recherche de la vérité. Ailleurs, on ne peut pas parler de ça. C'est compris. Voilà. C'est compris. Est-ce que je chute par là? Oui, je chute rapidement. Le vaccin est en train de faire des millions de morts à travers le monde, notamment dans le monde sportif. Les sportifs de haut niveau tombent comme des mouches, mais ils ne vont jamais traiter cette information. Jamais traiter cette information dans leur colonne, dans leur plateau, etc. Donc celui qui veut mourir, bah, qu'il fasse ça, qu'il suive ce que raconte Manaouda Manachi, raconte des bobards, c'est des comportements de l'homme. On va se calmer, Alain Nouk, calmez-vous, ne mettez pas les organes. Alors, on va passer la parole à Bernardo, c'est un sujet d'une importance capitale, parce que ça concerne les vies des individus, des vies humaines. Bernardo, je vous ai dit que j'étais journaliste, n'est-ce pas? Je prends encore un autre fait, hein? Et là, c'était sous d'autres cieux. J'ai reçu le ministre de la Santé publique actuel, le ministre Malachi Manaouda, et ce qu'ils appellent la COVID avait atteint son pic. Et on avait un cas sur la main où j'avais enquêté. Il s'agit du très regretté Simon Mayanga. On le connaît. Il était journaliste au Cameroun, du côté de l'Action, un grand RDPC, Simon Mayanga. Il est allé au volant de son véhicule un vendredi matin parce qu'il ne se sentait pas bien. Du côté du CHU, je donne les noms.
On l'a interné. Dimanche matin, Simon Mayanga très tôt est décédé. On a annoncé qu'il est mort de Covid. Nous nous sommes exclamés. C'était insoutenable. Comment Simon est mort de cette manière? Entre-temps, je me suis rapproché du corps médical. On m'a fait comprendre que non, les résultats du Covid n'étaient pas encore sortis. Je dis, mais comment on a dû annoncer que Simon Mayanga est mort de Covid? On a enterré Simon Mayanga comme on les enterrait à l'époque. C'était comme un rat. On l'a emballé dans un endroit. En quelques secondes, on a supplié pour qu'on a l'enterré dans son village du côté des forêts d'Ayos. Parce qu'on devait l'amener à soi. À ça là. On a enterré Simon Mayanga avec sa carte nationale d'identité, avec les clés de son véhicule. Parce qu'on disait qu'on ne pouvait plus le toucher. On ne pouvait plus le toucher. Les gens sont venus là qu'on découvre une route et tout ça et tout ça. Bernardo Basson, nous parlons à la télévision. 3 jours plus tard, les résultats sont sortis. Simon Mayanga n'avait pas de Covid. Votre réaction? Ma réaction, c'est que vous pouvez prendre votre mal en patience prioritairement parce que je prépare de nombreux articles sur la responsabilité gouvernementale dans le traitement de la santé publique. Je voulais d'ailleurs annoncer ici hier. Mais il y a 3 choses à dire. Alain Doug a commencé à ouvrir une porte, je vais l'enfoncer. Actuellement, dans l'univers capitaliste, il y a 3 lobbies qui ont vraiment pignon sur rue et qui dominent la scène capitaliste. Le premier, c'est le lobby de l'industrie pharmaceutique. Le Big second, pharma. C'est le lobby homosexuel. Le troisième, c'est le lobby sportif. Donc, dans l'univers aujourd'hui, dans le monde, pour avoir une certaine place dans la société, il faut être membre de ces 3 lobbies. L'industrie pharmaceutique, donc, génère beaucoup d'argent. Et pour générer de l'argent, elle procède à de nombreuses expériences. Le vaccin, les vaccins AstraZeneca et autres là, avaient pour mission ou ont pour mission de modifier la structure génétique de l'individu. Parce qu'à terme, on doit tous nous contrôler, nous injecter des puces éventuellement pour qu'on devienne des robots. Et donc, en injectant ce virus-là, ce vaccin, ce pseudo-vaccin dans nos corps, notre structure génétique se modifie complètement. Du coup, il n'y a pas que la stérilisation, il y a la féminisation des hommes. Ah bon? Oui. Il y a justement la réduction de la taille des pénis des hommes à terme. Incroyable. Oui. Il y a la modification des cycles ovariens et autres des femmes. Ça, c'est la vérité. Sauf que beaucoup diront qu'on est complotiste ou autre. Mais c'est parce qu'ils sont justement formatés par des médias occidentaux qui sont bien sûr dans le lobby également. Le lobby médiatique, vous savez de quoi je parle. Et qui leur pompent une information qui n'est que de nature à orienter leur cerveau vers ce qu'il y a une pandémie. Aujourd'hui, pour vous atteindre, le sorcier crée en vous la peur. L'Africain n'a pas peur d'une grippe. Moi j'ai attrapé Covid, entre guillemets, il y a quelques années. On m'a dit, va te faire dépister. Je suis allé, on m'a dit, c'est positif. J'ai dit, ok. J'étais avec Joyce, ma petite soeur. On est rentré, on s'est couché, on a commencé à rire. Tu as Corona, j'ai Corona. Et puis 2 jours après, je vais encore, je n'ai plus Covid. Moi, je n'ai même pas fait une fièvre. On n'attrape pas une maladie qui n'existe pas et qui ne s'est pas dépistée. Vous voyez, parce qu'il n'existe pas. Celui avec qui on était, au Michel, on a d'abord été négatif, mais celui qui faisait la fièvre. Il faut dire, Bernardo, ouais. en cette période, ouais. Moi-même qui vous parle, je suis tombé malade. Mm-hmm. Et j'avais également à peu près les symptômes, ils nous rabâchaient les oreilles, là, ainsi de suite. Je suis allé à l'hôpital central. On a dit qu'on devait m'interner. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que nous ne voulons pas dire certaines choses en télévision. Un ami médecin a appris que j'étais malade et qu'on était au point de vouloir m'interner. Il est venu à l'hôpital. En personne? En personne. Il m'a dit, parfait, sors de cette affaire. Il est sorti comment? Il est sorti de cet hôpital. Il me dit, si tu restes ici, tu vas mourir. Il dit, mourir comment? Il me dit, bon, en tout cas, je suis venu faire mon job. Hein. Si tu veux, tu restes. Si mais si on se revoit, voilà, tant mieux. J'ai pris peur et je suis sorti. On a commencé à me soigner à la maison. Au bout d'une semaine, j'étais là debout, j'ai dandiné comme une tisse. Parfait, ici, un médecin a proposé à mon cousin, je tais son nom, 200 000. En lui disant, fais semblant de dire que tu avais Covid. Parce que quand tu es malade de Covid chez nous, il y a des fonds qu'on t'alloue, il y a des. Du moins, l'hôpital en question bénéficie de certains fonds. Donc beaucoup de personnes avaient des maladies complètement imaginaires. Et beaucoup se faisaient tuer parce qu'il fallait que les fonds affluent vers les hôpitaux qui hébergeaient ces malades-là. Vraiment, il faut qu'on arrête ça. N'ayez peur de rien, même s'il y a une grippe.
il y a des écorces, on les prend et puis l'on fout là le coup. C'est là. Le COVID n'existe pas. Le virus en question de même. Est un boubard, un canular. On va passer la parole à Pierre Blériot, Niamek. Pierre Blériot, je ne fais que le marteler. Il s'agit là de la vie des individus. Parce que les gens pensent que. Il y a eu une affaire dans ce que on a appelé Orca. Est-ce qu'on peut nous donner les statistiques, Pierre Blériot, au jour d'aujourd'hui? Combien de personnes sont entrées à Orca et combien sont ressorties vivantes? Parfait. Ici, vous savez, la position d'Alain Douk, je ne la partage pas entièrement. Moi, je crois que les virus existent. Je pense en même temps qu'il y a beaucoup de manipulations de part et d'autre. Mais dans le cas du ministre de la Santé actuel, il peut être lui aussi une victime. Il ne saurait avoir la posture qui est la nôtre d'analyste extérieur. En termes de prévention, il doit prendre la mesure de la situation. Parce qu'il y a la question de la santé publique. Nous avons vu ailleurs les effets de la COVID. Certainement, la catastrophe qu'on prévoyait pour l'Afrique n'est pas arrivée. Donc, personnellement, je n'ai jamais paniqué face à ce genre d'annonce. Et je ne peux pas conseiller non plus aux gens de tomber dans une sorte de psychose. Mais de prendre quand même des mesures, parce que nous n'avons pas les mêmes corps. Nous n'avons pas les mêmes corps. Quand cette affaire-là, on en parlait, je me rappelle que j'allais dans les associations de famille où je voyais tout le monde bandé. Et moi, je disais que non. C'était parmi les mesures, Blériot. Non. Personnellement, parmi les mesures. Personnellement, Niamek, même le jour où on enterrait ma belle-tante, qui serait morte de COVID-19, j'ai refusé de porter ces masques-là, personnellement. Mais comme je ne suis pas les autres, parce que je le disais l'autre jour, nous parlions d'une question de sorcellerie ici, je disais que si vous n'avez pas les armes, n'allez pas. Mais la mort commence déjà par la psychologie. Blériot, oui. Je vais vous poser une question, hein, une préoccupation. Nous revenons sur le vaccin. Vous et moi, nous avons vu dans ce pays où on nous imposait de se vacciner. J'avais mis à peur qu'on va commencer à arrêter des individus en route. Ça devait être comme une carte nationale d'identité. Si on te trouve en route sans ce fameux vaccin, tu es incarcéré. Au jour d'aujourd'hui, preuve à l'appui, on nous fait plutôt comprendre que ce vaccin tue des individus. Comment vous pouvez regarder encore ce ministre qui nous a démontré que le vaccin était la seule solution pour sortir de cette affaire? Est-ce qu'un tel ministre peut continuer à être crédible dans un pays sérieux? Non, parfois, moi, je veux distinguer le rôle du ministre du rôle des multinationales qui parlent du vaccin. C'est pour cela que j'ai dit que le ministre peut être une victime lui-même. Personnellement, moi, je ne peux pas me vacciner. Même si on dit que... Mais Blériot, qui doit avoir l'exclusivité de l'information? Quand on parle du rôle des multinationales, mais les autorités publiques qui sont chargées de veiller sur nous, mais ce sont ces gens-là qui ont l'exclusivité de l'information. Pensez vraiment que des vaccins dont on parle là peuvent arriver au Cameroun ici sans que ces gens ne soient informés des méfaits de ces vaccins? Monsieur Evina, moi je suis un leader d'opinion. Je ne parle pas au nom du ministre. Je dis que moi, Niamek, j'ai vu des hommes politiques importants se faire vacciner et on filmait. Moi, Niamek, c'est sur mon corps qu'on peut mettre le vaccin. Je parle de moi. Parce que les autres vaccins ne nous sont pas imposés. Non, nous nous parlons du ministre parce que c'est le ministre de la Santé d'un pays, lui n'a plus la bonne information qu'il devrait en avoir. Non, dans les nouvelles mesures, je ne crois pas qu'on ait parlé du vaccin. Je ne parle pas de nouvelles mesures. Attendez, avant les gens sont morts. Oui. Il faut qu'on nous dise comment ça s'est passé. Et voilà pourquoi il dit que quelle est la responsabilité du ministre de la Santé d'un État. Non, je ne peux pas dégager sa responsabilité dans cet État. Oh, alors il n'en a aucune. Non, moi je vais répondre d'abord. Oui, allez-y, Alain Douk. Ailleurs, sous d'autres cieux, des avocats, tels que l'un que nous venons d'avoir maintenant sur notre plateau, ont intenté des procès. Mais justement, ça ne va pas faire la une hein, des mainstream, hein, des papiers mainstream, des avocats, des immenses grises sur le plan de la médecine, de l'épidémiologie, de la virologie, ont intenté des procès aux États. Pour crime contre l'humanité, pour cette histoire, là, vous ne le dites pas.
Alors, quand on le pose, un ministre de la Santé, en position victimaire ici sur ce plateau, c'est grave ça. Pour un scandale lié à un crime contre l'humanité, moi je suis sidéré. Il n'est pas une victime, c'est un poste. Alors, monsieur Linga, vous ne pouvez pas parler, mais je veux quand même que tu sois que tu dis lui pourquoi. Attends, le ministre aussi est dans un état. Non, les accords se négocient parfois au-dessus de lui. Il a sa responsabilité et sa responsabilité. La neige des Camerounais a été engagée. Oui. D'accord. Oui. Je pense que c'est pour caractériser la gouvernance, c'est un minimum tantinet de lucidité. Je suis d'accord. De capacité à la prévoyance, au discernement. Mais je n'ai pas chuté, il m'a coupé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand moi je dis ici, faut faire attention. Je ne viens pas dire des choses sur lesquelles je n'ai pas travaillé. Faut faire attention. Quand je remets en question les fondements de la virologie et l'existence de ce virus, j'ai du matériel, je peux vous dire, et c'est pas moi, c'est pas moi un boucalin, je vais vous dire, voilà tel professeur spécialiste du domaine, voilà tel autre, et je vous cite des noms. Vous avez Grand Blériot, tu as entendu parler du docteur Thomas Cowan? Ouais. Bon, écoutez, j'ai des documents où les gars vous expliquent, ils disent que je suis allé vers tel collègue pour lui dire, on a dit qu'il y a épidémie, tel virus a fait ceci. Est-ce que vous pouvez me référencer des articles scientifiques dans votre domaine qui permettent de corroborer effectivement qu'on a fait ce qu'il fallait faire sur le plan de la virologie pour attester effectivement qu'il y a un virus avec son code qui existe? Très bien. Le code de ce virus n'existe pas, je le dis ici à Mondo Vision. Je m'appelle Alain Douk. Merci Alain Douk. On passe la parole à Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien, nous parlons à nouveau de la COVID. Et c'est le même ministre de la Santé qui revient à la charge pour nous en parler. Dans ce pays, il y a une institution qu'on appelle la Chambre des comptes et qui avait établi un rapport extrêmement accablant. Et il me semble que le même ministre de la Santé avait été cité dans des affaires pas très jovial concernant la gestion de l'argent qui avait été débloqué. On parle des centaines de milliards. En tout temps, que devenir nous redit que la COVID est en train de revenir? Est-ce qu'on nous a déjà clarifié la situation de l'argent qui avait été volé dans le cadre de la COVID-19 au Cameroun? Voilà. D'abord, je voudrais dire toute ma révolte à la suite de cette revue de presse où le ministre, une fois de plus, remet ça. Et la mettre la République, j'étais en train justement de me poser la question de savoir, avons-nous fait d'abord le bilan de la première phase? Première question. Voilà. Avons-nous fait le bilan? Est-ce que ce ministre nous a expliqué que la Chambre des comptes s'est trompée et que tout est revenu à la normale? L'argent du Covid-19 n'avait pas été géré de manière cavalière telle que la Chambre des comptes nous l'a démontré dans un rapport. Le ministre n'a rien dit à propos. Mais moi, je ne voudrais pas m'attarder un peu sur le ministre, parce que le ministre, me semble-t-il, c'est un fusil. Je vais aller plus loin, parce que j'estime que le président de ce pays, lui-même, est entré dans cette conspiration. Il est entré dans un de ses discours où il a demandé lui-même au peuple camerounais, aux populations, d'aller se faire vacciner. Et de ne pas écouter les analyses complotistes. Parce que, justement, moi, dans toutes les chaînes, je disais que cette affaire-là n'était pas du tout sérieuse. Et que ni moi, ni aucun membre de ma famille allions nous vacciner. Et on a estimé que vraiment, nous étions en train de... Vous êtes des opposants. Nous sommes des opposants. Et je disais que cette affaire du vaccin est une entourloupe. C'est à la limite, justement, quelque chose qui sent un peu... L'arnaque, pour fendre florissant. Je dis que du fait que jusqu'à présent, ce ministre, comme le disait Adalbert, est toujours celui-là qui revient aujourd'hui nous dire que le Covid, il a le courage de revenir dire que effectivement il faut reprendre les mesures barrières. J'ai envie de dire au peuple camerounais, ne vous affolez pas, il n'y a pas de Covid. Vous pensez réellement qu'un Camerounais normal va recommencer à mettre les bizarreries, que nos cachons, les nez là, la bouche ne respire pas
bien. D'ailleurs, on va même tuer les gens. Hein. Oui, on va même parler de ces histoires de cache-nez là qui, à un moment donné, on vous a fait comprendre même que ça tuait des gens. C'était des choses qu'on c'est contre-indiqué. Donc, je suis en train de dire que la conspiration est au-dessus du ministre. D'ailleurs, si moi je suis d'accord, j'étais ministre. Oui, mais dans le flanc, le flanc est simplement démissionné. Clairement. Et si le démissionnaire n'en parle, on peut dire qu'il est complice. Il est complice de la violence. Monsieur Aïssi, chacun veut garder le poste. Parce que les gens occupent des postes pas pour travailler, pas pour servir la République, mais pour s'enrichir. Il ne peut pas partir parce que, quand lui disent même de tuer tous les Camerounais, si lui, il doit rester ministre, demeurer ministre de la Santé, mais c'est gérer le gros budget, est-ce qu'on devrait gérer le budget, il est prêt à le faire. Solidaire. Mais un être, un homme normal qui a la conscience, moi, à la place du ministre de la Santé, je vous assure, dans ces conditions, je démissionne. Solinga, l'aspect politique, n'oublions pas. Ah, je suis avec cela. Hein. Les élections arrivent. Et si c'était le moyen légitime pour proroger justement les mandats dont on parle, tout sera dit dans la démocratie, plusieurs éléments, la santé, la population, il n'y a pas de Covid, il n'y a jamais eu, on ne peut pas être dans le calcul égoïste politique pour remettre ça dans l'égoïsme. Nous allons passer à autre chose, mais nous indiquons quand même que dimanche, je m'arrête de manière majeure sur cette affaire de Covid-19 au Cameroun. Que s'est-il réellement passé? Nous aurons les avis des experts qui nous expliqueront. A tout de suite pour la suite. Pour la dénonciation du jour. Alors, pour la dernière, parfait, ici, c'est un citoyen camerounais qui se plaint. Alors, il est résident dans la ville de Yaoundé, non loin du quartier communément appelé Omnisport, mais c'est le quartier Fandena, vous connaissez. Alors, de ce côté, récemment, il y avait des travaux d'aménagement de la route. Et les engins qui passaient créaient des espèces de tremblements. Il est allé se plaindre chez les opérateurs, chez les constructeurs et chez les ouvriers en leur disant « Est-ce qu'il n'est pas possible de baisser la tension des engins parce qu'il a l'impression que ça va créer des conséquences graves dans son domicile ?» Un lui a dit « C'est vrai qu'on peut baisser, mais on a pour mission de travailler avec cette fréquence-ci. » Il lui dit « Bon, et s'il y a conséquences, qu'est-ce qui va se passer ?» Finalement, ce qui est arrivé au fur et à mesure que les engins passaient dans sa maison, les murs ont commencé à se fissurer, le staff en haut a commencé à se fissurer, aujourd'hui l'eau entre dans la maison à tous les niveaux, les dégâts sont clairement importants. Il s'est rapproché du ministère de l'Habitat et là-bas on lui a dit « on te répondra un jour ». Donc il est complètement embarrassé par la situation et il a voulu qu'on en parle pour savoir qu'est-ce qu'il devrait faire face à cela, puisque ses lettres de relance jusqu'à aujourd'hui restent mortes. Alors, c'est quelle société? Tu as le nom de la société qui travaillait? Oui, c'est un grand groupe français. Vous avez compris. La première lettre du grand groupe, c'est R. On a compris. Vous avez compris. J'essaie de vouloir comprendre. On passe la parole à Rodrigue Adalbert Evina pour son commentaire. Mais parfait ici. Le Cameroun est un état de droit. D'abord pour les Camerounais. D'abord pour les Camerounais. Leur sécurité, leurs aspirations de manière globale. Mais maintenant, le Cameroun
peut-être l'obligation de protéger ses partenaires, les intérêts des partenaires, bien entendu, dans le cadre de nos relations amicales. Ça peut être économique, bilatéral, et que sais-je encore. Alors, lorsqu'on parle d'un grand groupe français, parce que certains, ceux qui m'écoutent en radio, et dans certaines de mes positions, pensent qu'en réalité, je suis hostile aux expatriés, aux étrangers. Non. Je revendique, et ça c'est légitime, que le Camerounais, dans son pays, le Cameroun, vraiment se sente prince. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit pouvoir bénéficier de toute la présence de l'État en ce qui concerne ses droits, en ce qui concerne ses besoins. Moi, je suis contre ce fait-là et je le dis en télévision. Je refuse qu'avec une facilité déconcertante, un individu qui vient ici de quel pays enferme un Camerounais si facilement. Parce qu'il a des moyens, parce qu'il ne sait pas trop il a quoi. Moi, je suis contre ce traitement-là. Je suis, vous allez chuter. Je suis d'accord pour la justice, une justice équitable. Si le pays, le Cameroun, est un état de droit, il faut qu'il soit un état de droit, peut-être pour tous les citoyens du monde, mais prioritairement pour les Camerounais. Cette société doit pouvoir réparer ce préjudice. Si la maison en question est dans cet état, à cause des travaux menés par la société en question, le monsieur doit naturellement se plaindre et la justice camerounaise tranche. C'est compris. Aimé Cyprien Olinga, voilà donc un fait. Une société qui effectue des travaux et au niveau de la dénonciation, Bernardo nous informe d'ailleurs que le monsieur s'est rapproché de ceux qui effectuent des travaux pour leur dire que cette affaire apparemment a de l'incidence dans son domicile. Oui. Et apparemment, on l'a envoyé balader. Pour l'instant, il s'est plaint au niveau de certaines autorités, lettre morte jusque-là. Que doit encore faire le monsieur? Ben écoutez, moi je pense que nous sommes arrivés à un niveau de décrépitude de notre pays qui interroge plus d'un citoyen. Est-ce que la question fondamentale que nous devrions nous poser est de savoir, est-ce que l'État nous protège encore? Ça, c'est, il faut se poser cette question fondamentale. Est-ce que notre État est encore un État qui nous protège? Adalbert dit qu'il n'est pas d'accord qu'on prenne un citoyen, qu'on le mette en prison, parce que, ou alors qu'on l'enferme, parce qu'on est étranger. Que non, Adalbert. Même les Camerounais font exactement la même chose. Et c'est pour ça que je me pose la question de savoir, est-ce que notre État protège encore le citoyen? Parfait. J'en profite pour vous dire en deux minutes alors, une histoire que j'ai vécue jeudi dernier. Jeudi dernier, je suis en train de prendre une perfusion dans un hôpital de la place parce que j'étais un peu souffrant. Vers les 16h, je reçois un coup de fil. On me fait comprendre que dans le village maternel, dans le village de ma mère, du côté des Vondo, dans la Mofoa Famba, arrondissement de Kola Famba, village du Zoc, et dans la petite bourgade, la petite communauté de Mvourounga, que des oncles maternels, les cousins et même de ma mère, ont été interpellés le matin et par la compagnie de gendarmerie de Fou et ramenés à la compagnie. Alors, j'ai dit, je suis malade, je ne peux pas me déplacer. On me dit, vraiment, il faut venir un peu savoir de quoi il en est question. Je suis sorti, on m'a enlevé la perfusion, je suis descendu en Fou. Lorsque je suis allé rencontrer ses cousins de ma mère et ses oncles-là, ils m'ont expliqué qu'il y a une élite, un policier, un inspecteur de police retraité qui a eu beaucoup d'argent, on ne sait pas comment, et qui rentrait au village, nouvellement retraité apparemment, est en train d'arracher les terres. Que ce monsieur leur aurait défriché jusqu'à 9 hectares, appartenant à ces deux familles-là, incroyable. La famille, et qu'en réalité, il leur a dit qu'il a les moyens, il a les relations, le procureur de Fou et ailleurs, mange chez lui à midi, et comme c'est des pauvres villageois qui n'ont rien, il va arracher. Alors, on va le traiter. Et comme ces messieurs-là ont voulu, ils sont allés voir le chef, vous savez, au village, les familles sont pauvres, ils ne peuvent que se plaindre chez le chef du village.
Ils l'ont amené chez le chef. Ce monsieur ne s'est jamais présenté. Le chef l'a convoqué plus de 3 fois. Et donc, il est allé prendre la gendarmerie. Comme il leur a dit, il a des relations. Le chef signifie quoi, là? Donc, on est venu les embarquer. Et jusqu'à l'heure où je parle, sont encore incarcérés à la compagnie de gendarmerie de Fou. D'ailleurs, ce matin, on m'appelait encore pour me dire que la sœur aînée de M. Yenem Bargajan, qui est incarcéré, de M. Mintia Bernabé Paul, qui est incarcéré, la sœur aînée de près de 72 ans, également, qui est allée hier, comme on a dit, ben, venez un peu pour témoigner de quoi il est question. Dès qu'elle est arrivée, on m'a informé ce matin que cette maman de 72 ans, a également été foutue en cellule hier. Et maman de 72 ans. Voilà, mais elle s'appelle Ngono Philomène. Ngono Philomène, elle est en ce moment en cellule à la compagnie. Pour des vous dites que ça se passe en Fou. Mais ça se passe en Fou. En Fou, c'est au Cameroun. Mais oui, en Fou, c'est au Cameroun, bien entendu, dans la Mofoua Famba. Et donc, je suis en train de corroborer pour dire que nous sommes arrivés dans l'impasse à la limite. Où justement l'État ne protège plus les plus faibles. Très bien. Et il ne protège que les plus forts. Merci. Hein. Et ça, j'interpelle le chef de l'État qui est le premier magistrat pour qu'en fait, quand même, cette histoire de Fou soit élucidée. Et même le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour que cet impair, justement, ne puisse pas prospérer. C'est en même temps que je les interpelle aussi pour le droit de la dénonciation. Oui, oui, je veux prendre la parole à Monsieur Olinga, président. J'aime résoudre les problèmes quand je peux. S'il est établi que votre version des faits est exacte relativement aux autorités d'un fou, je prends sur moi l'engagement d'appeler le procureur d'un fou pour qu'on voit la situation de manière claire. Parce que quelquefois, il faut avoir toutes les versions. Oui. Pour le peu que je sais du procureur d'un fou, c'est quelqu'un d'assez sérieux. Oui. D'accord. Donc, on peut avoir des abus. Dans le récit, il faut faire une précision. Dans le récit de M. Olinga, le procureur n'est pas. Il n'indexe pas. Je n'indexe pas. Non, non. Il est là, c'est le policier. C'est pour cela que le procureur donc, lavera son image. Le procureur n'est pas là, doit donc nous dire s'il mange les fèches. Je sais que ça, monsieur Moula. Parce que quand tu veux intimider les gens, le procureur mange midi chez moi, à la maison. Il arrache les terres. Alain Doc, on vous passe également la parole pour poser votre commentaire, votre analyse sur cette dénonciation de ce matin. Le monsieur veut justement que le préjudice causé soit réparé. Justement, le préjudice doit être réparé parce que là, nous sommes dans une situation qui est symptomatique, il faut le dire, d'un état en total déchéance sur le plan de la morale. Un état, parce que la corruption, elle est d'abord morale. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à respecter des valeurs profondes telles que la justice sociale, parce que c'est en ce genre de situation qu'on se retrouve dans le cas d'espèce, le monsieur veut faire respecter son droit, il n'y arrive pas. Nous sommes dans la république des puissants, la république de « est-ce que tu as mes relations ? Est-ce que tu sais qui je suis ? » Est-ce que tu sais que je suis le cousin de la nièce du neveu? Est-ce que tu sais à qui tu as fait? Voilà. Est-ce que tu sais à qui tu as fait? En fait, voilà l'univers kafkaïen dans lequel on évolue ici au Cameroun. Et il n'y a pas que sur ce genre de problématiques. Vous avez entendu parler des Camerounais qui font piétiner leurs droits dans le cadre du travail. Hein? Ils se font bastonner par les Chinois, par je ne sais pas moi qui, etc. Ils ont leurs droits qui sont bafoués. Et ils n'arrivent même pas, étant des nationaux, à se faire rendre justice. Non, de ce côté, c'est le déluge. C'est terrible. C'est terrible. Donc moi, j'interpelle simplement les autorités qui nous regardent dans le cadre de ce programme ce matin pour qu'ils se saisissent de l'affaire. Ça tombe bien, on a un homme de droit aussi. Je ne sais pas s'il peut se saisir de l'affaire et voir ce qu'il faut faire. Parce que puisque les lignes ne bougent pas et on attend toujours les institutionnels, peut-être qu'il faut que des gens courageux qui ont les outils pour pouvoir faire un certain nombre de choses et rétablir la justice essayent de se mettre véritablement en branle pour essayer d'apporter leur assistance. Bernardo Basson, le monsieur en question, est-ce qu'il a quand même déjà saisi la justice? On sait qu'il a saisi l'autorité administrative, mais est-ce qu'il a déjà également saisi la justice? Je ne pense pas. Peut-être je vais lui expliquer rapidement la procédure. Allons-y. Mon nouveau statut me l'impose. Alors, prioritairement, il faudrait qu'il se rassure d'être le propriétaire de la maison en question. Soit le propriétaire originel, soit l'ayant droit. Et il faut pour ça un titre de propriété, donc le titre foncier.
Une fois qu'il a le titre foncier, il faut donc qu'il se rassure de la nature de l'entreprise. C'est déjà le cas. Mmh. Il faut savoir, puisqu'elle est privée, le contrat qu'il a lié avec l'État du Cameroun, et donc elle peut être saisie à titre privé. Et donc, il saisit le juge compétent, certainement, soit par assignation. Bref, on va laisser de la procédure ensemble. S'il veut, il vient me consulter en cabinet, on va gérer ça. Mais c'est pour dire quand même que s'il est propriétaire... Oui, c'est déjà les clients. Non, pas la télé, c'est interdit. mais c'est pour dire s'il est propriétaire, effectivement, de la maison qui a été victime, il doit faire expertiser les dégâts, les évaluer, et avec l'évaluation et son titre foncier, on va donc saisir la justice pour demander réparation du préjudice qu'il a subi. Mmh. Voilà. Merci. Hein. Pierre Glorieux veut également compléter. Allons-y, Pierre. Oui, ben, j'avais même pas parlé. Non, j'avais parlé. J'ai été censuré pour avoir aidé. Mon ami m'a censuré parce que moi, j'étais aidé. Non, en fait, parfait. Il y a des noms dits. C'est pour ça que j'interviens. Mmh. Cette maison était la seule dans cet environnement. Vous comprenez pourquoi vous intervenez alors comme un enquêteur. Non, je pose la question parce qu'il y a une bonne distance à garder entre la route et la maison. Vous comprenez quoi? Non, parce que quand tu vas aller te plaindre, il y a déjà. Et si vous n'avez pas gardé cette distance, vous verrez qu'il n'y a même pas de titre foncier. Donc ça peut être une plainte simplement. Parce que si c'était un problème généralisé, vous verrez. Les gens qui aiment construire très rapprochés de la route, là, problème. Voilà donc le genre de situation qui risque de vous arriver. On aime le terrain, mais vraiment, il faut souvent rester dans les limites. Si vous avez un terrain qui se rapproche de la route, faites vos constructions vers la fin de votre terrain et vous pouvez exploiter avec des choses pas très importantes cet aspect-là. Il ne faut pas développer un amour démesuré pour le terrain. Parce qu'il y en a aussi, parfait, il faut le dire, je ne veux pas poser. Il y en a qui viennent coller leur maison sur la chaussée. Quand on leur dit à démolir, on met la croix rouge et ils viennent mettre la peinture. Là, on dit. Voilà. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, nous marquons encore une touche pause. À tout de suite pour la suite. Filmé 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite! C'est tout pour le moment. Supercoupe intercommunale André Onana 2024 au Vingt Mission Catholique 3e édition. Sous le haut parrainage du ministre des Sports et de l'Éducation physique, lancement dimanche 30 juin à partir de 14h. 4 communes sœurs, Akono, Bikok, Mbankomo et Ngoumou, rivaliseront d'adresse pour le sacre départemental. Accompagné de plusieurs lions indomptables et autres stars du football mondial, André Onana, le portier de Manchester United, l'enfant prodige de la Mofu Akono, visite la terre de ses ancêtres. Artistes invités, El Luciano, Blacky Star, Majouaï, Bonimbala et Boué Chaleur, Atebas Atebas. Un projet du président Aristide Manda qui intègre une campagne de santé, une foire agro-pastorale et des modules d'apprentissage de la culture Béti. Infoline 655 84 18 53 695 90 57 57 698 85 81 53 656 47 93 03. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société Immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence Lefundi. La résidence Lefundi. La résidence Lefundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence Lefundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration.
Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49. 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Lovelin, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait le milieu de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce que médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en voilier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi 10h-11h52. C'est de vous faire comprendre que compte tenu du fait que ça va dans tous les sens au niveau des réseaux sociaux, nous vous indiquons nos pages officielles afin que nul n'en ignore. Je pense que nous commençons par la page de Pierre Bleurgogne-Yemek officielle que vous avez devant vous, vous avez à l'écran. C'est l'unique page de Pierre Bleurgogne-Yemek que vous avez donc là à l'instant. Donc pour toute information, vous pouvez vous abonner et tout ce qui va avec. Ne vous laissez pas arnaquer par des pages non conventionnelles qui sont créées par certains individus aux allures mal intentionnées. Vous avez également la page de Parfait Haïti officielle que vous avez également là devant vous. C'est l'unique page actuellement qui fait foi. Parfait Haïti officiel. C'est bel et bien moi, ne vous trompez pas, regardez bien ces photos. Maintenant, s'il y a quelques plaisantins et tintins qui vont chercher à vous arnaquer, dites-leur que nous connaissons la vraie page de Parfait Haïti que vous avez justement devant vous. Merci, merci très cher téléspectateur. Paul-Stéphane Mounonga, bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour à vous. Panélistes et à vos internautes et téléspectateurs. Je souligne que vous êtes responsable des affaires académiques du côté de l'Institut universitaire Bissaï. Effectivement. Nous accueillons ce matin pour savoir d'abord quelles sont les offres de formation en santé que nous pouvons retrouver du côté de l'Institut universitaire Bissaï. À l'Institut universitaire Bissaï, vous pouvez trouver deux grandes offres de formation en santé. C'est ce qu'on appelle généralement les filières. Et nous avons la première filière ici, c'est la filière des études médico-sanitaires qui se compose de plusieurs spécialités, notamment sage-femme, sciences infirmières, odonto-stomatologie. Et d'un autre côté, nous avons les sciences et techniques biomédicales.
Et dans les sciences et techniques biomédicales, nous avons les spécialités telles que technique de laboratoire, imagerie médicale, kinésithérapie. Et ce qu'il faut préciser ici, c'est que, parce que beaucoup de gens ne savent pas que l'Institut universitaire Bissaye, c'est un démembrement de la MASSO, si on peut le dire ainsi. Donc, dans cette dynamique de solidarité, le promoteur a décidé de, comment je vais dire, de mettre les prix au niveau du citoyen lambda. Parce que l'éducation est un droit fondamental. Et il faut faire montre de solidarité. Justement, il faut faire montre de solidarité et accompagner même le gouvernement, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pour ça que les formations en santé chez nous, en ce qui concerne le cycle BTS, ne coûte que 400 000 francs par an et l'inscription c'est 40 000 francs. Vous allez voir que si vous faites le tour des instituts supérieurs qui forment en santé, vous allez voir que ce sont vraiment des prix sociaux. Mais que ces prix ne trompent pas ceux qui nous écoutent, parce qu'en termes de qualité, en ce qui concerne la formation, je peux vous assurer que la qualité elle est au rendez-vous, parce que déjà notre institut universitaire est adossé au complexe hospitalier La Mamu, l'un des plus grands hôpitaux qui vient de naître à Yaoundé. Donc, c'est pour dire que du côté de l'Institut universitaire Bissaye, vous retrouvez les praticiens dans le domaine de la santé. Très bien. Les véritables professionnels qui vous inculquent des savoir-être et des savoir-évoluer. Paul-Stéphane Mnunga, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le produit Aura Academy? Le produit Aura Académique vient juste résoudre un problème. Vous savez que généralement, les parents peuvent avoir 3 ou 4 enfants à l'université, même dans les collèges, et les tranches coïncident généralement. Imaginez-vous qu'en octobre, vous devez payer 3 tranches de 100 000 francs. Ça fait 300 000 francs. Or, avec Aura Académique, vous avez la possibilité de payer la pension de votre enfant de façon journalière, à hauteur de 1000 francs par jour. Et il y a même d'autres parents qui ont commencé à anticiper. Ça veut dire qu'il y a des parents qui ont commencé à faire des versements. Et certainement, en septembre, ils n'auront pas la pression de devoir payer l'inscription. Donc, c'est simplement pour permettre aux jongleurs, là, je peux utiliser cette expression, de pouvoir permettre à son enfant de s'éduquer, d'avoir une éducation de qualité et de payer cette éducation de qualité sans véritablement stresser. Donc c'est pour venir déstresser le citoyen d'en bas, parce que ce n'est pas toujours évident pour la Bayam Selam, pour le chauffeur de taxi, pour l'enseignant. Et même pour le fonctionnaire. C'est ça que j'allais dire, même pour le A2. Ce n'est pas souvent évident. Donc c'est simplement une mesure justement qui permet aux parents de pouvoir respirer. Paul-Stéphane Mnunga, lorsque vous avez donné toutes ces informations, je présume que le téléspectateur aimera avoir un ou deux contacts. Oui, je dirais simplement que nous avons un contact. Il est WhatsApp et aussi pour les appels normaux. C'est fait. Le 690-20-37-08. On peut reprendre. 690-20-37-08. On peut encore reprendre. 690-20-37-08. Nous sommes situés à Yaoundé et Kounou, 2 chevaux, juste après la garde présidentielle, quand vous venez du Carrefour Coron. Paul Stéphane, nous vous souhaitons une excellente journée. Je vous en prie, merci. A tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau d'Espace Miné, nous lisons quelques messages des téléspectateurs. Commençons par le 213. Bonjour Perfecto, le Lakam et le Yin Yang de la modération. Il dit que le Covid est de retour, que c'était d'abord parti où? Avant de partir, il nous avait prévenu
pourquoi il nous prévient quand il est de retour et qu'il dépose sa valise ailleurs? Parce que le tour-ci, c'est que vous allez seulement nous tuer pour qu'on prenne votre vaccin-là. Minalmi, perfecto. Il est aussi temps qu'on parle de ce médicament qu'on appelle le biophénol. C'est un médicament qui rend les hommes efféminés et détruit les hormones masculines dans le corps d'un homme pour les remplacer par les hormones féminines. Actuellement, il y a ces nutriments de biphénol A qui est en train d'être injecté dans tous les aliments tels que les boissons, les laits en poudre pour bébés, les médicaments pharmaceutiques, les produits importés, etc. Et ne soyez pas surpris que dans quelques années, la moitié des hommes africains commencent à se comporter comme des femmes. S'il vous plaît, perfecto, faisons une émission sur ce biphénol A. C'est important. D'ailleurs, j'aurais même aimé qu'on fasse de cette affaire de Covid l'objet de la dénonciation ou du sujet du jour, parce que c'est une affaire très 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 sérieuse. Je vous dis encore, d'ici 15 ou 20 ans, vous verrez des millions d'Africains de sexe masculin qui vont commencer à se comporter comme des filles, parce qu'on a détruit leur hormone masculine avec ce médicament dont je vous ai parlé. Perfecto. Oui, Alain Duc. Il n'y a pas que ces substances dont il parle, il y a même le paracétamol et il y a la trazine. Que ailleurs on introduit dans l'eau, etc., dans certains pays, pour féminiser en réalité la masculinité. Autre message, bonjour à tes invités, bonjour parfait, bonjour à tes invités, particulièrement à Maître Basson. Ouais, notre sucre national est venu maître. Il applaudit, hein. Monsieur Basson, triste de vous voir arrêté aujourd'hui et fier de vous voir ému. Cela signifie que les relations entre vous et nous étaient très fortes. Mais je ne comprends pas. Quand on devient maître, on ne passe plus en télé, ou bien il ne peut plus être un invité permanent. Parfait. Si vous me permettez, je veux faire un petit témoignage sur Bernardo. Bernardo, dans ses débuts à Espace Miné, ses expertises étaient très brutes. Il a fallu le recadrage de Blériot et vous pour qu'il devienne ce qu'il est devenu au jour d'aujourd'hui. Bernardo a déjà de la maîtrise lors de ses prises de parole. Il ne s'emporte plus lors de ses interventions et c'est ça que j'apprécie chez un panéliste. Bernardo, félicitations pour ton titre d'avocat et bonne continuation. C'est Arnaud Abega depuis Douala. Témoignage émouvant, hein? Autre message ce jour, nous partons au plus 352. C'est quel pays là? Luxembourg. Alors, Bernardo me dit que c'est le Luxembourg. Salut ton téléphone nouvelle génération. C'est le Luxembourg. vous savez que la confiance n'exclut pas la méfiance. c'est le Luxembourg. Alors, bonjour Perfecto et à tout ton panel. Je tenais à féliciter chaleureusement Bernardo pour sa réussite au concours du barreau camerounais. Cette réalisation est le fruit de son travail acharné, sa persévérance et son dévouement. Sa passion pour le droit et sa détermination ont porté la fruit. Lui et l'ont mené à cette étape importante de sa carrière. C'est un immense plaisir pour moi de voir son rêve se concrétiser. Je suis certain qu'il sera un avocat brillant et qu'il marquera de son empreinte le monde juridique. Profite bien de ce moment, mon frère, et célèbre cette victoire méritée, et surtout avec du bon vin. Pour une fois, ça ne va pas te tuer. C'est Lionel Témon du Grand Duché du Luxembourg. Salut à mon vieux père, Pierre Blériot. Lisons un dernier message, hein. C'est, nous partons du côté des États-Unis. Que dit le téléspectateur des États-Unis? Bonjour monsieur Aïssi et ton panel. Pour la première fois, j'ai vu tonton Niemek impuissant et sans argument sur un sujet. Tonton Niemek, nous avons tout compris. Ne vous inquiétez pas. Monsieur le ministre de la Santé vous gère bien. C'est vraiment authentique à moi. Non, mais attendez, si vous permettez. Hein. Non. Monsieur le ministre Manaouda et moi avons des relations assez professionnelles. Pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas ce genre de choses. Ce n'est pas lui que je défends du tout. Je défends une idée particulière. Maintenant, si vous m'avez trouvé impuissant, allez. Soyez un nouveau puissant. Prenez le nom et le litacola. Alors, on part au plus 49.
l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Oh, Bernardo va me manquer. C'est lui qui me donne sur les pays. Bonjour, El Perfecto, l'oncouta de la modération. Bonjour à tout ton panel et en particulier à notre sucre, notre caramel national, désormais Maître Basson, qui va beaucoup nous manquer. Nous lui souhaitons un bel avenir. Beaucoup de succès et merci à lui d'avoir illuminé nos journées à travers sa grande intelligence dans ses prises de position sur Espace Miné. Bien des choses à toi, Maître Basson. Merci. En ouverture, nous vous disions que nous allons parler de politique avec une interrogation simple. Peut-on être un vrai homme politique sans avoir de l'argent? Peut-on faire de la politique sans moyens financiers? Je commence par Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, politique et argent vont-ils de pair? Politique et argent vont bien évidemment de pair. Je voudrais dire que dans nos états, nos sociétés, le regard du citoyen vis-à-vis de la chose politique est un regard qui s'arrête sur un certain nombre de calculs. Certaines sociétés sont tellement avancées sur le plan de l'éducation politique, c'est-à-dire ce sont des nations dans lesquelles on a vraiment pris la peine de sensibiliser, d'éduquer les peuples à comprendre comment doivent-ils faire usage de leur plein pouvoir au plan politique à l'effet d'influencer l'ordre gouvernant ou alors la politique de la cité de façon générale. Mais dans nos différentes sociétés, je prends le cas du Cameroun qui est mon pays, je pense qu'il est vraiment compliqué sans argent de pouvoir mobiliser des foules, de pouvoir mener des gens à concevoir ou accepter le message qui est directement lié, n'est-ce pas, à votre offre politique, de vous pouvoir écouter le message qui est lié à la nécessité même de s'engager en politique, de s'engager à tous les niveaux, de s'engager au plan personnel, de s'engager au plan matériel, de s'engager au plan physique. Parce que dans notre société, je pense que c'est vers là que l'éducation doit être orientée. Comment allez-vous faire pour tenir un meeting et que à la fin des travaux, qu'il n'y ait pas une bouteille d'eau à donner à quelqu'un? Voyez-vous, vous avez trouvé des gens, certains même pendant le vote, quelqu'un se contente de prendre un billet de 2000, de 5000. C'est-à-dire on achète la conscience de quelqu'un qui va aller faire un choix qui n'est pas vraiment un choix de conviction pour l'amélioration de la gouvernance. Mais il va faire ce choix-là parce qu'il a touché un billet de banque. C'est pour ça que je pense que c'est encore très difficile dans notre contexte et du point de vue de nos différentes mentalités de pouvoir faire la politique de manière efficace et objective sans argent. Alain Cyprien Olinga, vous qui êtes Aimé Cyprien Olinga, vous qui êtes le seul homme politique sur ce plateau, sauf s'il y en a qui cassent la casquette politique. Je vous passe donc la parole pour Rodrigue. C'est très compliqué de faire de la politique sans argent. Vous pensez que seule l'idéologie compte pour convaincre les masses en Afrique et surtout dans un pays qui s'appelle Cameroun? D'abord, je voudrais partir d'un postulat. Nous n'inventons pas la politique. La politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Tout à fait. La politique ne saurait être une activité lucrative. C'est pas comme le commerce. Et je lisais encore certaines déclarations des grands hommes politiques hier. Je suis tombé sur une déclaration d'un grand penseur occidental qui disait que si vous ne faites pas la politique, vous allez l'abandonner à des médiocres. Et les médiocres vont la faire de manière médiocre et vous allez subir. Exactement. Lorsqu'il le dit, j'ai également vu que cela avait été repris par un de mes amis, le nouveau premier ministre du Sénégal.
M. Sonko, qui l'a repris plusieurs fois dans ses sorties pour galvaniser les Sénégalais, pour leur dire, impliquez-vous, engagez-vous. Parce que si vous ne vous engagez pas, les médiocres vont s'emparer de cette affaire-là et vont la faire subir. Et vont vous faire subir leurs mauvaises décisions. Leur médiocrité. Leur médiocrité. Et vous avez vu comment le peuple du Sénégal, comme un seul homme, n'a pas cherché à savoir si M. Sonko était le plus riche, ou alors si M. Faye était le plus beau, le plus riche du Sénégal. Le peuple s'est aligné sur le plan des idées et... Pendant même qu'ils étaient en prison, rassurez-vous, ils n'étaient même pas dehors, vous, cela suppose. Vous pouvez même comprendre que même les dépôts de leurs dossiers ont été effectués par d'autres personnes. Parce que les deux ne pouvaient pas être en prison et en train de déposer les dossiers, n'est-ce pas, de candidature. C'est pour dire en fait que c'est évidemment, il faut avoir de l'argent en politique. Nous en avons besoin. Mais est-ce que c'est l'homme politique qui doit produire de l'argent? Hein, est-ce que c'est celui qui émet des idées, qui doit apporter des masses de l'argent? Vous voulez faire comprendre que ce sont les militants qui doivent donner de l'argent à l'homme politique? Bien entendu. Au-delà des militants, les citoyens. Et regardez un peu ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Vous savez que M. Obama, lors de sa première prise de pouvoir, il y a dans les démocraties ce qu'on appelle les levées de fonds. C'est-à-dire que vous émettez des idées, vous avez un projet, vous avez un programme, et les gens, les citoyens estiment que si on met en application ce programme, il peut produire du développement et s'engage à vous accompagner. Aux États-Unis, il y a deux types de financement, et d'ailleurs, beaucoup de candidats ne choisissent même pas les financements de l'État. Parce qu'on vous donne la, on vous dit si vous prenez le financement de l'État, on vous impose un plafond. À utiliser pour la campagne. Mais si vous utilisez l'argent, les fonds déposés par vos compatriotes, vos militants, vos sympathisants, vos admirateurs, vous n'avez pas de plafond. Et vous avez vu que M. Obama a, lors de ses levées de fonds, eu des milliards de dollars, au point même à un moment donné, il était obligé de dire aux Américains, je n'ai plus besoin d'argent. J'en ai tellement qu'il a utilisé une bonne quantité, il a gardé une autre pour la campagne de Mme Clinton par la suite. C'est pour dire qu'en réalité, effectivement, hop, la police a besoin de beaucoup d'argent. Mais ce ne doit pas être l'affaire de l'homme politique. Et vous comprenez pourquoi dans un environnement comme le nôtre, où on a fait croire à la population que, monsieur le président, au cas où on a fait comprendre à la population que pour faire la politique, il faut être multimilliardaire, c'est pour ça que des apprentis politiciens sont d'abord allés dans les institutions de l'État, voler des milliards, voler de l'argent destiné aux grands projets, parce qu'ils savent qu'après, ils vont se présenter comme les grands politiciens, parce qu'ils auront beaucoup d'argent, ils vont acheter les consciences des gens. La politique n'a pas besoin d'achat de conscience, et c'est des mauvais citoyens, justement, M. Adalbert Vénin, il faut sensibiliser le peuple, qui attendent 2000. 3 000, 5 000 francs pour aller voter X, Y. C'est des mauvais citoyens. D'ailleurs, ce sont ces gens-là. J'insiste sur les plans politiques. C'est ça que ma façon. Vous citez les pays-là depuis vous parlez du Sénégal, l'histoire du Sénégal au plan politique. Mais c'est une histoire merveilleuse. C'est des gens extrêmement avancés. Bien entendu, ils n'ont pas besoin vraiment d'un litre d'eau, je ne sais pas trop quoi, pour prendre part à... Et c'est justement résulté dans les politiques. C'est de cette raison que nous disons, dans la sensibilisation du peuple camerounais, le Sénégal, j'ai cité les États-Unis, j'ai cité le Sénégal. Le Sénégal, c'est pas ailleurs, c'est en Afrique. Donc les autres, les Camerounais, peuvent s'approprier cette manière de faire la politique que les Sénégalais leur enseignent, qui n'est pas celle d'attendre 2000, 5000 pour aller voter un parfait délinquant économique, un parfait détourneur des deniers publics, quelqu'un qui aura justement plombé tous les projets structurants et qui va se présenter à vous comme le plus grand Richard du Cameroun après avoir volé votre argent. Nous disons que la politique va se faire avec... Non, ce n'est pas des organes. Nous sensibilisons les Camerounais. Très bien. Parce qu'il ne faut pas mettre l'argent devant. C'est les idées, c'est les projets qui construisent les nations. C'est compris. On passe la parole à Alain Douk. On a bien compris le message d'Aimé Cyprien. Nous insistons sur le cas du Cameroun. Moi, j'ai par moments assisté à certains meetings lors des campagnes électorales. Et là, c'est un témoignage, en même temps une question. Alain Douk, j'ai vu, bon, je ne vais pas citer les partis politiques, j'ai vu certains partis politiques venir. Lorsqu'ils viennent d'abord, vous voyez comment... il y a des pick-up et même des camionnettes avec beaucoup de sacs de riz. Chargés.
avec beaucoup de cartons de vin rouge, avec beaucoup de cartons de maquereau, ainsi de suite, et il y a une foule immense. Et quand le meeting s'achève, celui qui tenait le meeting leur dit, nous sommes des Africains, nous ne pouvons pas nous réunir, et à la fin, on ne se partage pas un bout de pain. Mm-hmm. Voilà ce que je vous ai gardé. Et la fête commence. Et vous comprenez pourquoi on a passé 42 ans et dans le même système et rien n'a bougé. Et on dit que le meeting a été beau. J'ai également vu certains autres hommes politiques qui sont venus. Ils parlaient très bien. Ils soutenaient des bonnes idéologies. Ils étaient convaincants. Très pertinents. Et même très pertinents. Mais à la fin du meeting, ils ont dit merci à ceux qui les écoutaient. D'être venus. Et quand les gars ont commencé à partir de là où ils étaient, on disait le type, si c'est un blagueur. Alain Douk, que faisons-nous quand vous avez affaire à ce genre de peuple? On ne fait finalement que la politique de son contexte. Et c'est une politique telle que nous la faisons chez nous dans notre contexte totalement dépravé, prostitué, édulcoré, écorné. C'est pas de la politique parce que c'est idée. Où, logiquement, que le monde est gouverné. Il faut que le petit peuple le comprenne. Je dis que c'est idéologiquement que le monde est gouverné. Mais alors, on a utilisé l'argent, qui n'est pas en soi une valeur, qui est même une contre-valeur, et qui prend à contre-pied ce qu'humainement nous devions avoir contre-valeur, pour en réalité assujettir les masses et les amener à exprimer leur plus bas désir, à exprimer ce qu'il y a en réalité de plus rétrograde en réalité dans l'être humain. Il faut qu'on le comprenne. L'argent en réalité n'est pas la solution, n'est pas une solution. L'argent même c'est le problème. Le sujet est tellement profond que je ne sais pas comment je vais faire pour le traiter, mais j'espère que je vais y arriver. Donc, il y a une liste, qu'il vous reste une minute. Voilà, il y a une liste de personnages qui a dit notamment que la politique, il faut laisser la politique aux politiciens. Je dis non, c'est une grossière erreur. Pourquoi? Parce que donner son avis sur le modèle de société que nous voulons au Cameroun, comment on veut que nos communautés, collectivités territoriales décentralisées se comportent, comment la gouvernance à ce niveau-là ou au niveau supérieur fasse, le type de route qu'on veut, etc. C'est des avis politiques. Faut pas qu'on se trompe. C'est des avis politiques. Tout le monde fait de la politique. Et monsieur Cyprien Olinga le disait tout à l'heure, j'étais pleinement content, satisfait de ce qu'il disait. Bah, si vous ne voulez pas vous intéresser à la chose politique, d'autres la feront pour vous et la feront médiocrement. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, veuillez d'abord à vous assurer qu'on véhicule de bonnes idées. Les valeurs. Et maintenant, on a prostitué la politique parce qu'on a fait maintenant tourner autour de l'argent. Ailleurs, monsieur Olinga le disait, je suis pas d'accord avec lui. Les États-Unis, c'est pas une démocratie, c'est une plutocratie. C'est le pouvoir de l'argent qui gouverne là-bas. Parce que justement, pour une investiture à la présidence des États-Unis, monsieur, si vous n'avez pas, en réalité, le puissant lobby qui détient de l'argent derrière vous, le lobby juif, vous ne pouvez pas être président. Et la plupart du temps, qui mène le jeu, que ce soit du côté républicain comme démocrate, c'est le même lobby. C'est eux qui financent des deux côtés. Donc, on a assujetti finalement la politique à l'argent. Et lorsqu'on assujettit quelque chose à l'argent, je peux vous dire que ce sont les valeurs qui se détricotent. Pierre Blériot-Niemec répondait clairement à la question posée ce matin. Peut-on faire de la politique sans argent? Je crois qu'entendre par faire de la politique ici, c'est-à-dire capter les masses et les orienter vers notre idéologie. Tout à fait. Est-ce qu'on peut le faire sans argent? Vous ferez de la politique avec les moyens qui sont les vôtres. Si vous draguez les femmes avec l'argent, vous draguerez le peuple avec l'argent. Je veux qu'on se comprenne. Oui. Si vous avez d'autres valeurs à présenter aux gens sur lesquels vous comptez, vous savez, vous pouvez rencontrer un riche sur, en compétition sur une femme. Et quelle est votre plus-value? Qu'est-ce que vous présentez à cette femme-là pour qu'elle vous préfère, vous qui n'avez pas d'argent, à celui qui a de l'argent? On a vécu deux grandes expériences au Cameroun de deux politiciens qui n'avaient pas d'argent et qui ont drainé les masses. Seulement, je vais faire un petit pic à mes amis de l'autre côté du PCRN.
regardez un peu, Oumniobé n'avait pas d'argent. Le peuple camerounais a donné de l'argent à Oumniobé. Oumniobé ne s'est pas empiffré. Il a utilisé cet argent pour le peuple camerounais. Il est resté sans argent. Aujourd'hui, plus de 60 ans après, quand les veuves de Oumniobé meurent, le peuple camerounais enterre les femmes de Oumniobé. Il y a des gens pour un passage de moins de 5 ans, ils n'ont plus cette sympathie du peuple. Parce que le peuple n'est pas fou. Contrairement à ce que vous pensez, quand le peuple vous a accompagné et qu'il vous voit vous gargariser, il vous voit devenir gargariser, il remarque. Vous partez. C'est-à-dire que si les gens mesuraient leur sympathie auprès du peuple, la vraie sympathie, pas les petites choses. Donc il ne faut pas être pressé. Si vous aimez l'argent vous-même comme politicien, n'allez pas tromper le peuple en lui disant que non, vous, on n'a pas besoin. Le peuple aussi, votre peuple va aimer l'argent. Maintenant, si vous êtes rigoureux avec vous-même, si vous travaillez de vos propres mains pour gagner votre argent et vous restez dans la limite de vos moyens, désintéressé, va vous suivre et va continuer d'investir son argent. C'est comme nos petites associations. Des fois, vous avez une petite association. Vous savez, la fin de l'homme montre la qualité de sa vie. Vous avez parlé des meetings, parlé des deuils. Il y a des deux où les gens sont allés parce qu'il y avait beaucoup de nourriture, mais ils ne s'intéressaient même pas, ils ne voulaient même pas savoir qui est mort. Vous voyez, ça veut dire que vous ne leur servez à rien. Il y a d'autres deux où les gens ont refusé la nourriture, ils étaient plutôt captivés par celui qui est parti. Oui. Donc ça dépendra de la qualité de votre vie. Si vous voulez avoir un deux où beaucoup, les gens qui ont faim viendront, ils sont nombreux. Ils viendront, ils vont même emporter la nourriture, mais ils ne sauront même pas si c'est de sexe masculin ou de... Ils ne s'intéressent pas. On dit qu'il y a les camions qui vont là-bas, on dépose l'eau depuis avant-hier. Est-ce que... Il y a d'autres deux où tout le monde arrive avec un sentiment de contrition et veut comprendre pourquoi un tel homme est mort. Merci Pierre Blaireau. La pertinence dans la convivialité. Bernardo Basson, lorsque nous mettons ce sujet sur la table, s'il est vrai que dans le contexte camerounais, beaucoup sont d'accord que tu ne peux pas facilement faire la politique sans argent, entre-temps, n'avez-vous pas l'impression que le peuple a également un grand rôle, ce peuple qui se laisse corrompre pour quelques billets de banque, pour quelques verres de vin rouge, pour quelques morceaux de maquereau? La masse réfléchit rarement. Elle réagit et elle est conduite. Donc le peuple, en réalité, ne réfléchit pas beaucoup. C'est pour cela que les décisions qui ont révolutionné le monde sont souvent venues des minorités ou des individualités. Parce que la masse n'a pas la propension à réfléchir. Dans les pays dans lesquels le niveau de conscience est plus élevé, il y a quand même la masse qui se scinde en groupes et ces groupes proposent diverses réflexions qui influent le système et même les décisions et les législations. Mais parfait, ici, pour parler du Cameroun, le constat est clair. Au Cameroun, pour être politicien, il faut avoir de l'argent et beaucoup d'argent. Lorsque vous regardez les élections municipales, même ce qu'il faut déposer comme caution, éventuellement, pour être maire ou conseiller municipal, ou ce qu'on vous demande de contribuer pour éventuellement faire partie de la liste, vous comprenez quand même qu'il y a déjà des fonds. Il faut 50 000, il faut. Vous voyez, c'est des fonds à engager. Des documents et autres, oui. Au niveau de la députation ou des sénatoriales, il y a toujours des fonds. Ne fût-ce que la caution. La caution. Pour la présidentielle également, vous savez qu'il y a de la caution. Millions. Vous voyez, il y a une caution à injecter. 30 millions. Oui. Vous voyez, et 30 millions pour le Camerounais, c'est beaucoup d'argent. Donc, alors, lorsqu'on commence même, il y a dit pour le cas justement du Cameroun, que pour être candidat à la présidentielle, il faut déposer 30 millions. Est-ce que c'est à la portée de tous les Camerounais, du Camerounais lambda? Est-ce que tous les Camerounais peuvent être chef de l'État? Est-ce que vous ne pensez non pas qu'on est en train de vouloir rendre la politique au Cameroun une affaire d'élite? Pas d'élite. Une affaire élitiste. De pseudo-élite. Parce que l'élite, ce n'est pas qu'un statut social. L'élitisme est un mode de vie, est une façon de faire basée sur une idéologie claire et objective et sur des valeurs sociales et humaines cohérentes et pertinentes. Ce n'est pas juste parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est, si vous savez, vous voyez. Donc au Cameroun, il y a très peu d'élite. Il y a beaucoup de pseudo-élite. Il y a l'élite financière. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches. Puisqu'il y a des gens qui ont eu cet argent par des voies sinueuses, par des voies tordues. Les voies dont parlait Cyprien. Bien sûr. Donc, moi, ce qui me choque, c'est que on veut oublier
qui a un sens à donner aux choses. On va chuter. Au Cameroun, parfait, ici, notre politique se fait comme les Camerounais sont. Si nos dirigeants agissent comme cela, c'est parce qu'ils ont réussi à affamer le peuple. Et celui qui est affamé cherche d'abord à manger. Mmh. Et donc, Paul Biya, hein, il y a une vingtaine d'années, sur la tribune des Nations Unies, avait dit que un homme affamé est un homme sans dignité. Et c'est justement ce qu'il a réussi à faire avec ses hommes. C'est-à-dire, on vous affame, on sait que ce que vous allez chercher, c'est à manger. Et donc, on va vous proposer comme principal projet de société la nourriture. C'est pour ça que le Cameroun, aujourd'hui, est sur une courbe qui est très négative. Et par conséquent, il faut avoir de l'argent. Nous allons lire quelques messages, peut-être deux ou trois. Bonjour à vous sur le plateau, émission très pertinente. On ne fait pas de la politique sans argent, que l'on soit un leader aimé ou non. Il vous faut de l'argent pour vous déployer. Même les plus grands nationalistes l'avaient compris. Vous parlez de Oumiobé. Oumiobé recevait donc des soutiens financiers du bloc communiste. Donc faites très attention. Parfait. Ici, vous êtes des personnalités publiques et vous pouvez tout simplement demander la certification à Facebook. Il s'agit de la petite pastille bleue que vous voyez souvent sur les pages des personnalités. Des personnalités publiques là, et Facebook vous la donnera parce que vous êtes des personnes ayant une autorité avérée et notoire dans l'espace public camerounais. Cela vous empêchera aux escrocs d'utiliser votre image. C'est facile, regardez juste comment procéder sur YouTube. Ouais. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour, parfait ici. Prière d'arranger le son, c'est inaudible. Il est entrecoupé et l'image est bloquée sur l'écran. Suis à Douala. C'est Boum Nougatéo qui envoie le message. Bon, je pense que notre directeur technique est là. Hein? Alors, autre message ce jour. Bonjour, monsieur le directeur. Et là, nous sommes au plus 49. C'est encore l'Allemagne. Et ainsi qu'à votre panel. J'ai trop fait la publicité d'Espace Miné et mon patron regarde votre émission en audio description. Mais le sujet d'hier l'a beaucoup intéressé parce qu'il m'avait dit en privé qu'il sait que parmi nous, il y a des personnes qui ont des faux diplômes, mais ils sont quand même compétents. Vu la formation qu'ils ont reçue. De ce fait, il organisera pendant les pauses déjeuner des petits jeux, des dictées, de culture générale et souvent de calculs rapides afin de détecter des personnes dont il avait le doute. Moi, je lui ai dit que, boss, j'ai eu le bac technique. Et lorsque nous avions cours de français, la salle de classe était vide, comme s'il y avait un championnat d'athlétisme. Si vous avez convenance, appelez-moi Afana Ivan Patrick de Stuttgart, c'est en Allemagne. Il dit des choses. Moi-même, j'ai le bac technique, mais voilà, je m'exprime minimalement en français à peu près correct, mais je suis un bachelier des techniciens. Alors, nous allons prendre. Les techniciens ne sont pas les nuls en français. Nous allons prendre les 5 dernières minutes qui nous restent pour dire au revoir à Bernardo Basson, avec qui nous avons cheminé pendant un peu plus d'un an dans le cadre justement. Un an et demi, mine de rien. Nous avons été avec lui pratiquement au quotidien à déminer l'espace. C'est donc la dernière émission de Bernardo Basson aujourd'hui. Et comme vous le savez, il a réussi au concours du barreau. L'examen du barreau. Il va dorénavant se concentrer au niveau du cabinet. Je pense que c'est le cabinet de maître... Gervais Armel Mangmailly, c'est donc son parrain. Je commence par Rodrigue Adalbert Evina. Quelques mots pour dire à Bernardo qui embrasse une nouvelle carrière. Oui, je suis habité par deux sentiments. Mais vous n'avez qu'une seule minute. Hein. Voilà. le premier sentiment, c'est un peu une petite détresse. Une petite détresse du fait que Bernardo est un temple du savoir. Bernardo est un esprit brillant. Bernardo est un génie. Vous savez, beaucoup de téléspectateurs, je peux vous dire, même à Espace Miné, nombreux sont ceux qui regardent la télé parce qu'ils vont écouter Bernardo. Bien sûr.
Ils vont apprécier la qualité de ses analyses, surtout le droit auquel il est profondément attaché et tout très passionné. Mais l'autre sentiment est celui d'une réelle fierté. Une réelle fierté parce que Bernardo est un pur Camerounais de souche. Il connaît le Cameroun profond. Je suis profondément heureux que quelqu'un comme Bernardo, une belle âme, se retrouve justement dans ce corps de métier-là. Merci. C'est une boule d'énergie assez positive qui va se retrouver là-bas. Et véritablement, on dira que justement, on ne peut pas situer n'importe quel avocat dans le sillage de la corruption et autres. C'est compris. Voilà quelqu'un qui va servir la République. Aimé Cyprien Linga, qui avait rencontré régulièrement Bernardo sur ce plateau pour déminer l'espace. Quel est le sentiment que vous avez de savoir qu'il va nous quitter? Il ne meurt pas, hein, mais il quitte le plateau. Écoutez, justement, comme M. Adalbert Evina, un sentiment double. Le premier, c'est qu'effectivement, il va. C'est un esprit brillant, brillantissime. Je crois qu'il va manquer à ce plateau qui en avait encore besoin justement de ses analyses, d'une objectivité implacable. Il va manquer à ce peuple qui davantage aurait bien voulu continuer à bénéficier de sa pertinence en termes d'idées, de ses convictions. Mais je suis également satisfait effectivement qu'il ait fait un pas vers l'avant. Et je ne peux que lui souhaiter bon vent. Je suis sûr et certain que ce sera un très brillant avocat. Et je crois que la Troisième République que nous voulons construire se construira avec Bernardo. Alain Duc, ton ami Bernardo s'en va. Bernardo s'en va. Mais on restera toujours proche, forcément. Ça a donné l'occasion de rencontrer une belle âme, un bel esprit. Il est attaché à un certain nombre de valeurs. Où tu vas dans le et nouveau magistère. Et surtout les valeurs traditionnelles. Oui, où tu vas dans le nouveau magistère. Oui, surtout. Comme tu as été vrai sur ce plateau, continue à être vrai dans le magistère d'avocat. Je te souhaite tout le succès possible du monde. Et tu vas manquer. Tu manques déjà à ce plateau. Tu manques certainement à tous ceux qu'on ne voit pas partir du plateau. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et tout ça, c'est qu'en réalité, on l'a dit. Qui a un temps pour toute chose. Peut-être que c'est le temps de, justement, il y a eu un temps pour Espace Mini, peut-être que c'est le temps de passer à autre chose. Beaucoup très de succès bien. À toi et tout. On passe la parole à celui-là que vous-même, vous avez souvent lui à présenter comme étant votre père, Pierre Blériot Niemec, vous qui aviez l'habitude de toujours prendre Bernardo tous les matins pour l'amener ici. Vous le prenez effectivement comme votre fils. Quand vous amenez à l'école tous les matins, vous prenez Bernardo, vous l'amenez ici. Bernardo ne sera plus avec nous sur ce plateau. Quelques conseils à lui donner? Oui, mais Bernardo a commencé aussi à apprendre la langue douala pour faire plaisir à Charlotte Dipanda. Ah bon? Il y a un concept en douala, Ikukotamoto, l'homme droit, l'homme juste. Il faudrait que tu essayes. Nul n'est juste. Tout à fait. Mais il faut faire l'effort d'agir en harmonie avec votre propre conscience et le suffrage d'un petit nombre de gens sages et éclairés. Ne recherchez pas à plaire à tout le monde. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la voie royale pour aller à l'hypocrisie. Mais faites avec conviction ce que vous avez à faire. Dans votre métier, il n'y a pas de salaire, il y a des honoraires et autres. Mais défendez la veuve et l'orphelin, défendez la justice tant que vous le pourrez. Vous ne pouvez pas vous mettre à dos tout le monde, mais évitez d'être la source de la calamité pour les autres. Il est bon que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui il arrive. Maintenant, pour ce que vous avez pu garder, nous restons d'ailleurs hors d'ici en contact. Tout à fait. Essayez de l'appliquer. Appliquez votre cœur à la justice et à mettre en exergue ce que vous avez appris. Surtout, retenez de ne jamais vous faire un avis sur une personne. Forgez-vous toujours votre propre avis. Merci Pierre Bleu pour tous ces conseils. Nous allons donc passer la parole à Bernardo lui-même qui va s'adresser à
ces téléspectateurs qui sont en pleurs, qui sont en larmes. Okay. J'en reçois trop de messages là. Ouais. Bernardo, tes chaleureux téléspectateurs t'écoutent à travers le monde. Oui, après, moi, j'ai reçu beaucoup, je suis même surpris. Je savais pas que j'étais autant aimé et autant regardé. J'ai reçu beaucoup de messages de fans d'Espace Miné qui m'ont écrit sur Twitter, beaucoup m'ont écrit, même sur LinkedIn. J'ai trouvé que beaucoup m'avaient écrit. Moi, j'ai pas de page Facebook, donc très peu m'écrivent via Facebook. Beaucoup me suivent également sur Twitter, on discute. Moi, je suis immature sur Twitter, je bouffe mes tontines chaque jour. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais je suis quand même content, parfait à ici, comme je dis. Merci à tous et à chacun. Je voudrais dire tout ce que j'ai rencontré au travers de l'émission. Il y en a qui sont venus très proches de moi. Mon ami Cyril Epoté, Pamela, Astrid, également Thierry Mbarga, parfait ici, qui est un fan d'Espace Miné, qui m'a écrit hier, monsieur Thierry Mbarga, qui m'a dit, écoute, je sais que pour ta prestation de serment, tu vas engager des frais pour la fête et autres. Et il m'a envoyé 50 000. Hier, wow. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, juste en regardant l'émission, Thierry Mbarga, il est en France. Donc il y a des gens comme ça que je ne connais pas, mais qui peut-être m'appréciaient. Moi, je ne savais pas. Qui est assuré après l'émission. On en a parlé hier. Là, j'ai dit merci à Thierry Mbarga. Voilà, on en a parlé hier. Donc, la nouvelle émission, il est venu. Il a un volume, merci à Thierry Mbarga. Parce que, bon, non, moi, je suis. Parfait, ici, comme M. Nimeka dit, je ne suis pas quelqu'un de saint. J'ai seulement fait deux, trois bêtises, mais je pense que dans l'âme, je suis quelqu'un de bien. Et je tâcherai d'être quelqu'un de bien, un avocat sérieux, parce que dans la profession, il y a beaucoup de sérieux à avoir. Merci au PDG, merci à vous-même, merci à M. Niemek, merci à Sandrine au maquillage et à toutes les maquilleuses. Et à tous les téléspectateurs. Merci à Célestin et à tous ceux qui... Moi, je me sens maintenant protégé, je ne peux plus toucher n'importe comment. Juste après ma prestation de serment, je vais maintenant me consacrer aussi à ma consécration dans le MOC qui arrive dans les prochains mois. Donc, je serai bon MOC, maître, tout ce que vous imaginez. Ma vie est pleine, je suis plein de succès, je suis un chanceux de la vie. J'ai la santé, j'ai la famille de rêve, mes frères, mon grand frère Joseph, mon petit frère Renaud, maman Emilienne, maman Rosalie Abiteng et tous ces gens qui m'apprécient, qui m'encouragent, vraiment merci beaucoup. Si vous n'avez jamais connu les larmes de joie, vous n'avez jamais connu la vie. Et aujourd'hui, si je suis triste, même si je suis psychologue, c'est pas parce que c'est parce que je souffre en fait. Je suis heureux de vous avoir connu, de vous avoir apprécié. Merci Bernardo. Merci. Moi, je n'aurais pas beaucoup de mots. On discutait hier autour d'un bon plat. Je mangeais le mien au Wondo avec le poulet du riz. Je vous ai dit, soyez non pas l'avocat qui connaît le juge, mais l'avocat qui maîtrise le droit. J'apprends. Ne soyez pas l'avocat qui connaît le juge, mais soyez l'avocat qui maîtrise le droit. Sauf que l'avocat connaît le juge, puisqu'il discute. On se comprend. Bernardo est pratiquement en larmes. Ça va aller, Bernardo. Quelqu'un disait que tu nous manqueras, mais beaucoup de succès. Que le Seigneur t'accompagne. C'est ce qu'il fallait dire pour ce matin. Merci à tout le panel. Ne ratez surtout pas le journal de la mi-journée dans 5 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ?